Regardez, j'essaye de faire un bonhomme de coton. Regardez, j'ai dessiné une tête de diable sur un gros derrière. Moi, je suis déguisée en fille. Il s'amuse. Il s'amuse. Vous ne voyez pas que vous êtes ridicule. Vous êtes grotesque. Et ils s'esclaffent devant leurs idioties. Le ridicule tue. C'est la loi. Rire, c'est le mal pour lui. Il faut prouver qu'il a été ridicule. Alors, on le fera mourir de rire. J'ai un moyen infaillible. Allons-y. C'est illégal. Ce serait un rire faussé. Un rire est un rire. Je suis le cinquième élément. Le quinte comblé. Le point zéro. Le point parfait. Le moyeu. L'axe central. Je voudrais que le monde entier me regarde, m'admire. Quand je suis né, c'est mon papa qui a coupé le cordon. Je n'avais pas de cordon. Quand je suis né, j'étais même pas attachée. Ma mère, elle n'a rien senti parce que ma grande sœur, elle avait une grosse tête. Moi, je suis né à la clinique des roses. J'ai nagé tout de suite avec mes parents et puis j'ai fait du manège. J'ai entendu le concerto grosso d'Arcangelo Corelli, opus 6, numéro 8, et le chant des baleines. J'ai fait de la gymnastique et de la respiration abdominale. Ça l'a fait rire pour nos histoires. Il voulait rire, mais il avait peur de rire, parce que son enfant, lui, était mort dedans lui. Mais là, il est vraiment mort. On ne lui a pas raconté assez d'histoires. Maintenant, c'est trop tard. Dommage. C'est ce qu'il voulait, la paternité ou mourir. Il ne savait pas qu'il y avait autre chose. On ne peut plus rien pour lui. Il est mort pour de rire.